Bon, nous voici sur un nouveau jeu. Maintenant, on se lance sur l'aventure de BioShock. Un beau petit monde. Mais un bon jeu, je veux dire, plutôt, parce que c'est un petit monde assez sombre, un peu plus violent. Mais toujours aussi bon. Je peux pas arranger le son. Je pense que je vais pouvoir le faire en jeu. Fait qu'on va commencer. On va laisser aller ça. Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Ça devrait être bon, ça. La mer. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non,
dit à son tour l'homme de Moscou, cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ses réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs. Où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine. Où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les crozons m'arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce qu'une bathysphère descend. Et à moins que le bazar là-haut ait pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Bienvenue à Rapture. D'accord. Encore une petite minute. La bathysphère arrive. Johnny, la sécurité s'est déclenchée partout. Reste pas là, vite! Je savais pas que c'était interdit. Ne faites pas le mal. Laissez-moi partir. Je vous donne mon arme. Vous pouvez... C'est à nouveau. Cette radio à Homeworld, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas, et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter. Respirez profondément et sortez de la bathysphère. Ne vous en faites pas. Je ne vous lâche pas d'une semelle. Il va falloir la tirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance. Je vais te faire souffrir longtemps. Ça a pas assez proche. Ne partez pas! Tiens, toi. Mon père est plus intelligent qu'Einstein et plus fort qu'Hercule. Il lance du feu en claquant des doigts. Êtes-vous aussi fort que mon père, monsieur? Ah, si vous n'avez pas visité le jardin des glaneuses. Les papas malins vont toujours au jardin. Carte ici.
Bobo. Tu crois que celui-là a son compte? Tu crois qu'il a encore de la danse en lui? T'as entendu ça? Allez, viens, on se tire. Mauviette, t'as qu'une mauviette. Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche! T'as toujours été lâche. Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite. Tu finiras par boire la grande tasse. Regarde, Sylvie. C'est un ange. Je vois de la lumière qui sort de son ventre. Il respire encore. Tout va bien. Je sais que ce sera un ange bientôt. Eh ben. Vous tenez le coup, l'ami? Le premier plasmide est un sacré choc à encaisser. Cependant, rien de tel qu'une poignée d'éclairs, pas vrai? Électrique. Wouh! Pas si pire. Va tout péter. Poisson, sauvez-vous, poisson! Ah bah ouais. Ah. Hein, t'es vrai. Bzz, bzz, bzz. Wow. La ville sous l'eau, c'est cool. Rapture. T'en lettre. Dites à Ryan que je suis désolé. Ça n'arrête pas. Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, je dois être réchauffé. Oh. Oh boy. Maman est partie et papa aussi. Mais pourquoi? Pourquoi c'était avant? Et puis je... Pourquoi tu n'es plus là?
qui. Oh. Wouh. C'est le plasmide qui fait faire ça, ah, c'est le fun. Là tu dépasses les bancs, Brenda. Tu me prends vraiment pour un imbécile. J'ai de compte à rendre à personne. C'est mon Adam, je l'ai gagné. Tu veux la manière douce ou la manière forte? Moi ça m'est égal. Ouvre cette porte. Charlet, où es-tu passé? C'est pas juste. Wow, ta barouette. Comme tout. Si vous voyez un gros homme dans l'eau, attaquez-le avec votre arme électrique. Oh oh! Capote, fini! Une révolte. Mon... Ah bon. Ok. Dites, Brenda, vous pouvez me dire pourquoi il y a un trou large d'un mètre dans le mur de vos water depuis bientôt 3 semaines? Brenda. Bon, j'ai pas la prétention d'être Shakespeare, mais respectable, moi. Les gens viennent de Port-Neptune après leur travail pour chercher un peu de divertissement, n'est-ce pas? Et tout ce qu'ils trouvent, c'est la puanteur qui s'échappe de vos chiottes. Il faut faire quelque chose. Oh là, doucement. Baissez votre arme, je vous prie. Ces petites sœurs transportent l'Adam, le matériau génétique qui fait tourner les rouages de Rapture. Tout le monde en veut. Tout le monde en a besoin. Vous croyez que c'est une enfant, n'est-ce pas? Ne vous méprenez pas, c'est une petite sœur maintenant. Quelqu'un a transformé cette gentille fillette en monstre. Oubliez le bien et le mal, ces vieilleries qui viennent de la surface. Ici-bas, dans Rapture, ça n'a aucun sens. Oh. Ow. Gros con. Oh oh. Oh oh. You gonna die. You.
protecteur. La petite, elle, récolte la dent. Et lui, il la protège. Oh bah t'es mort, hein. Sauvegarder. Bien sûr, je vais sauvegarder. Toi. Ça va bien quand il bouge pas. Ah ben. Pas si peu, ils sont dans de l'eau. Ah ici sont les. Dark. Pas payé pour tirer toilette. Much alcohol. Alerte de sécurité en cours. Bah ouais, c'est ça. Tiens. Ah ok, il y a un lance-flamme là. Pas si pire. Tiens toi. Tiens. Ah non! Toi là. Bam! Faut se sauver. Le pavillon médical. Hey! Après, vous êtes coincé. Je vais essayer d'ouvrir la sortie d'ici. Dites-moi, quelle association de scélérats vous envoie? Serait-ce le loup du KGB? Le chacal de la CIA? Écoutez-moi bien. Arthur n'est pas une épave que l'on peut piller à l'envi. Et Andrew Ryan n'est pas un écervelé mondain qui se laissera molester par le gouvernement. Bien. Au revoir. Ou Tazidania, comme vous préférez. Oh.
vers le pavillon médical. Oh boy. Ça promet, ça promet. Moi, je viens de rentrer comme dans un nouveau tableau. Ouais, effectivement. Bon, ben, on va mettre fin à la première vidéo, qui était une petite introduction à l'univers et à l'histoire. Donc, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.